Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de replay. Ça fait un long temps que j'en ai pas fait. Encore sur Company of Heroes 2 parce que j'y suis retourné récemment et coup de chance ou pas, je suis tombé sur une partie qui était intéressante. Hein. Mon embuscade de Lancerat. Non, elle était pas intéressante. Elle était pas intéressante. Donc c'était ce replay là, sur lequel je suis tombé encore un replay où j'étais allemand, pour changer, c'est toujours allemand quand je fais des bons replays généralement. Sur un map Red Bull Express, que nous avons tous été lancés. Alors à savoir que ça faisait longtemps que j'ai pas joué au jeu, donc j'ai joué comme un pied. Enfin moi je trouve que j'ai joué comme un pied, mais mes collègues me disent non, que j'avais plutôt bien joué vu la situation. Alors... le camouflage de perso ski par contre est magnifique, je trouve. Ça c'est moche. Après, celui-là il est trop traditionnel, c'est pour ça que j'aime pas. Halloween 2016. J'ai même pas débloqué ce d'Halloween 2016 d'ailleurs. Ça fait penser. Alors, comme d'hab, je suis Uber Commando quasiment. C'est rare qu'on me voit à Wehrmacht. On est 3 Uber Commando, on était à 3 joueurs en vocal, donc Vateux, Gloria USA et moi-même. En face, on suppose que c'était une team. On suppose. Après, c'est possible aussi que ce soit indépendant. À un certain niveau, on a même plus besoin d'être en team pour savoir quand est-ce qu'il faut attaquer ou pas, quand est-ce qu'il faut aider. Et nous, on va avoir un joueur qui, dès le début de la partie, va quitter. Ce qui... En soi pose un petit problème, on va pas se mentir. Parce que pendant toute la partie, on va devoir jouer à 3 versus 4 avec une IA. Enfin, 4 versus 4, dont un joueur est une IA, en sachant que l'IA, généralement, même si on est beaucoup à dire « Ah, mais c'est chiant, etc., une IA, etc. », généralement, sa stratégie est tellement basique qu'il est facile de battre une IA, même une IA en difficile ou très difficile est facile à battre. Une IA est fort en début de partie, mais s'essouffle très rapidement, et sur ce jeu, enfin, est fort en escarmouche, parce qu'il a des ressources en plus en début de partie, mais est faible en multi, parce qu'elle dépose que des ressources que nous avons. Alors, à savoir que moi j'avais un problème en début de partie, je n'arrivais pas à voir de... Mon écran était noir, à savoir que depuis je sais pas quel patch, si vous jouez avec Skype, vous avez normalement une petite fenêtre qui s'ouvre, normalement ça pose pas de problème, mais depuis une certaine mise à jour, vous êtes obligé de désactiver ça, sinon vous avez un écran noir. J'ai appris pendant cette partie, donc pendant un petit coup, je ne vais pas pouvoir jouer, et notre allié va quitter. Voilà, je viens d'arriver au bout d'une minute parce que le temps de régler le problème. Alors, voilà, donc notre allié a quitté, c'était lui. Il a pris stratégie. Moi, je suis comme ça. Alors, il va prendre le tigre, lui, il va prendre Yak Tiger. Ici, il a pris tout ce qui était emplacement avancé, hein, tout ce qui était dans l'artillerie et la défense lourde. Les autres n'ont pas encore choisi. Voilà. Donc, voilà, moi, je vais dire tout de suite. Ça sert à rien que je sois sur le côté gauche, j'ai une minute de retard. Je vais jamais pouvoir contrer. On a une IA avec nous. Je vais aller middle, voilà. Alors là, par contre, militaire de ma part, j'ai fait deux actions de stamp pionnier, même si c'est fort. J'avais plus trop habitude. Maintenant, les mitrailleuses sont possibles dès que vous avez un camion déployé. Ouais, ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu, donc faut être indulgent avec mon niveau de jeu de merde que je vais avoir. Donc moi, mon but, c'est de tenir au milieu. Après, bien évidemment, si on change de côté... On voit surtout l'orange concentré au nord, avec une, bah, on voit même deux joueurs concentrés au nord, mais ils vont sûrement bientôt se redéployer vers le middle. T'as foutu les mines là, c'est ça va. Bon, d'un autre côté, à droite, nous on avance, enfin mes alliés avancent. Je fais assez vite un canon anti-char, peut-être trop tôt, je sais pas. Le problème c'est qu'on est contre des Britanniques, on sait jamais quand ils vont faire des défenses anti-char. Enfin, des défenses, même mortiers ou autres. Et ensuite, j'ai plus trop l'habitude des timers et je me dis, mieux vaut avoir assez tôt quand même une arme anti-char pour pouvoir contrer l'adversaire. Bon, déploiement d'un poste avancé. J'avais oublié qu'il fallait ça, mais bon, je vais faire ça assez rapidement pour sauver mes troupes.
Et je vais rester sur notre visuel. C'est sur notre visuel. Hein. On voit que sur le côté nord, bah, ils avancent avec des mitrailleuses, etc. J'ai une escouade là, j'ai des troupes à soigner. J'ai au moins un anti-char, ce qui peut nous être utile, même si je suis en retard, etc. Donc voilà, cocktail incendiaire à travers, amélioration avec des STG-44. Pour rappel, maintenant, les Volksgrenadiers sont améliorés avec des STG-44. Il y a Storm Pioneer avec des lance-roquettes. Cependant, j'aime pas les lance-roquettes. Je convertis toujours en pack de soutien personnellement. Et explosion de ça. Par contre, vous êtes invulnérable au froid, donc ça peut toujours être bien. Je le cache. Comme mon habitude. Ressources, vous me voyez que je suis toujours à... J'ai toujours que dalle au niveau ressources. Genre de joueur à jouer à poil au niveau ressources. En haut, qu'ils aient deux canons anti-char, je comprends, mais le mortier, je trouvais trop, mais après le mortier peut aider sur le milieu. Ici, ils construisent ça. Nous, heureusement qu'on a des mortiers qui nous aident, parce que sinon on aurait bien aidé mal. Et à savoir que les mortiers américains ont un gros problème. Parce qu'ils sont beaucoup trop précis par rapport aux homologues des autres factions. D'accord, les fusillés peuvent construire des fortifications. D'accord, ça je savais pas. C'est bien, j'apprends un truc. Moi je suis toujours à la bourre. Hein. J'ai voilà, pas beaucoup de troupes. J'ai le minimum syndical, on va pas se mentir. On fait avec. Mes alliés font beaucoup de boulot, font mettre beaucoup de pression. Moi j'essaye de tenir le centre. Voilà, j'essaie de tenir au centre, j'évite qu'il perce. Je sais qu'à gauche je reprendrai pas l'essence, donc je me dis, dans un cas comme ça, oui, mort rapidement. Voyez, les nouveaux mortiers américains sont trop précis et il faudrait un nerf assez rapidement pour que ça aille un peu mieux. Je dis ce que je pense par rapport à cette faction. Alors, moi j'ai quasiment rien en ressources. Enfin, là je compte déployer une nouvelle unité d'infanterie. Voilà, donc débarre. Bah, cocktail incendiaire, enfin, grenade incendiaire. Pas mentir, heureusement que j'ai mes collègues qui viennent m'aider de temps en temps à repousser parce que j'ai vraiment énormément de mal moi là actuellement à vu que je suis au bâtiment avec mon truc de repli, c'est là. Je peux facilement leur demander de se replier, de venir. Heureusement, l'IA pour une fois fait un truc bien, c'est qu'il contourne l'unité et ses unités à fui. Donc moi là, je fais plein de petits replis, je peux bouger petit à petit mon unité, donc ce qui est parfait. Bon, ils ont une autre mitrailleuse, voilà, là je vais les améliorer tout de suite avec des STG-44. Et là je vais déployer mon bataillon de quartier général, donc pour avoir aucun anti-aérien. Je suis dans une situation où je n'ai pas trop le choix. Malheureusement ils se font suppresser, alors que je n'avais pas prévu qu'ils allaient se faire supprimer. Là bon, bien évidemment ça va m'embêter, hein. On va pas se mentir. J'essaie vraiment de contourner tout ça. Là, j'ai réussi à sortir de son axe de tir, donc ça me sauve un peu. Cette unité, je crois que je vais encore la perdre. Ouais, je vais la perdre. Je sais pas. Je suis trop occupé à essayer de micro-gérer ça. Heureusement, j'ai ce bâtiment qui se finit de se déployer, qui a juste à portée pour tirer là-dessus. Mes troupes là, j'ai foi couvert là pour pouvoir balancer une grenade incendiaire. Voilà. J'ai perdu une deuxième. J'ai vraiment perdu. Je perds un de ces nombres de troupes, c'est phénoménal. Mais le problème, ça vient de ça en fait. Ce mortier là, il
qui, comme toujours, est morti, ont une super portée et qui me pose un grave problème parce qu'il me tue mes troupes sans que je puisse rien faire en fait. Mais je dois vraiment être limite à portée parce que je vois que les obus tombent. Quelques obus tombent bien dessus, mais généralement, regardez, tous les obus tombent devant. Donc je pense que je suis limite à portée de tir du mortier. Donc je dois faire avec. Ça par contre, qu'est-ce qu'il déploie? Des paras. Ok, des paras. Ou parachutique, c'est paras. Gars, la question actuellement. Ouais, t'es parachuté, c'est paras. Ce parachutiste. D'accord, il est parachute dans sa base. Grosse erreur de sa part. Il y a des parachutistes. Le but c'est de parachuter dans les endroits stratégiques, pas les parachuter aux alouettes. Dans les alouettes et qu'ils soient pas au sur le front. Voilà. Alors là j'appelle. C'était ma troisième escouade de la partie de ça. Bon, deux Vox, deux escouades de. Ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais j'ai fait plein d'erreurs actuellement. Là, bien évidemment, ce que je vais faire, bah, j'ai économisé un peu de ressources pour. Alors là, par contre, je fais l'amélioration de réparation pour réparer le plus rapidement possible, ça éviter de le perdre. Heureusement pour moi, je vais pas le perdre. Ça m'aide un peu. Je vais faire des Obersoldaten maintenant. On commence à arriver dans le stade de la partie. Il faut du lourd, il faut du matériel assez volumineux. De leur côté, qu'est-ce qu'ils ont niveau ressources? Ils ont pas de véhicule encore. Ils ont un T-34-85 en fabrication, d'accord. Un est parti sur T-34-85, lui est parti sur Para. R&D et Para, d'accord. Ouais, non, éclaireur et Para, il va partir sur R&D. Ouais, bon, voilà, il a l'apocalypse, hein. Bonne infanterie, Stuka sur pied, une ligne. D'infanterie, voilà. Voilà, lui a quasiment plus perdu. Par contre, j'ai l'impression qu'il ne connaît pas lui. D'accord, il a déployé après. Ok, j'allais dire, c'est bizarre. Les troupes sont parquées dessus. Ils ont dû il a dû le déployer par la suite, je pense. Alors, moi, ici, j'ai fait quand même une petite percée avec une troupe. J'ai eu une mitrailleuse, j'ai recyclé. Ça m'a fait des troupes, quelques ressources en plus. Parce que je suis vraiment moi à sec. Bon, après, je suis un Obercommando, c'est normal que je manque toujours de ressources. Et voilà, j'essaie de vraiment de minimiser moi, mes pertes. Chacune de mes troupes, moi, c'est beaucoup de microbes. Vous voyez, j'ai que 4 troupes. Hein. J'ai eu 4 troupes. Et pourtant, vous voyez, chacune de mes unités, je fais payer chaque fois le prix fort à mon adversaire pour me tuer une unité. Là, il a pris deux, il a pris un ou deux gallons d'opération. Je vais le ramener. Il a un T-34-85. Malheureusement, mon canon là, il a un. Je m'attends à ce qu'il y ait un truc qui passe au milieu, donc je l'ai un peu tourné comme ça. Bon, heureusement, il y a un canon anti-char, un pack en complément. Après, bon, la fumigène qui bloque un peu la ligne de vue. Bon, il y a un Sherman qui est arrivé. C'est fait d'un tir standard et Sherman explose. Donc là, je pars sur mon dernier bâtiment et je pars sur un Jagdpanzer 4 pour la défense. Il me faut d'autres troupes. J'ai pas beaucoup de troupes, c'est vrai. Les peu de troupes que j'ai, c'est des troupes d'élite. On va pas se mentir, c'est des Obersoldaten. Enfin, des troupes d'élite, j'ai des Obersoldaten, une escouade de chaque d'infanterie. Donc juste une mitrailleuse. Voilà, mais ce qui m'aide beaucoup, c'est ce bâtiment-là. Là, on entend mon Jagdpanzer 4, Jagdpanzer 4 qui va avoir un rôle décisif dans la partie. Bon, les dégâts sont minimes, on va pas se mentir. Là. Vraiment minimes, minimes. Mais bah, moi j'ai un Jagdpanzer 4, donc niveau anti-charge, personnellement, moi j'ai ce qu'il faut et je pense que ça va être largement suffisant. On a les Panzerfaust maintenant avec les Vox Grenadiers, ne pas oublier. Bon, après, par contre, Panzer Shrek est ultra fumé, hein, des Overcommandos, faut pas l'oublier.
Mon côté, un nouvel assaut. Voilà. Ces troupes-là ont déjà tué quoi? Ils ont déjà tué 10 hommes. 10 hommes, 11 hommes. Bah, moi, chacune de mes troupes, c'est. C'est ma prunelle de mes yeux. Je les sauvegarde autant que possible parce que j'ai vraiment quasiment rien en troupes. J'ai pas de ressources, vous voyez? Je suis toujours à poil. Je fais une unité. Là, j'en vais faire une autre escouade de Burst of Latin. Je suis déjà à poil en ressources. Bon, ici, j'ai dégommé déjà un véhicule et détruit un bâtiment. Le véhicule, j'ai terminé. C'est le temps que j'ai terminé. Non, au T34, c'est pas. Donc. Là, moi, je vois bien. Ok, il y a un véhicule là, le mortier là. Très bien. Je vais reculer mon tank, ne vous inquiétez pas, je vais reculer. Voilà, pas de risque. Ici, je dépends mon dernier bâtiment. J'aspire une nouvelle escouade de Burst of Dayton. T34-85, à beau, est un T34-85. Je peux largement. Lui tenir tête hein, avec mes anti-chars, surtout que l'IA est là. Le centurion va mourir. Vu le mauvais gameplay qu'avait eu notre allié, c'est normal qu'il soit détruit. Enfin, notre adversaire. Ici, jamais en poste de réparation. Toujours bien d'avoir des ingénieurs en plus. Et là, je commence à vraiment préparer mes escouades anti-chars, enfin anti-infanterie. J'ai l'anti-char. Frappe lourde ici. Frappe lourde de. C'est une tâche, je pouvais la perdre, je m'en fichais. C'était pas priorité. Mais elle a survécu. Ce qui est magique. Voilà. Bon, je vois mon escouade en première ligne, c'est cette escouade là, je la replie. Mes obus au Dayton, je crois qu'il y a une. Voilà, j'avais envoyé un assaut, elle doit se replier. Contre-attaque adverse très violente. Mais on a deux anti-chars sur le flanc. J'ai un anti-char d'un allié qui va arriver. Donc, je l'ai pas vu moi dans la partie. J'étais vraiment concentré à lutter contre les adversaires. Mes troupes font le boulot. Derrière, attaque adverse. Je tiens. L'adversaire a capitulé devant. En marche arrière toute. Cette unité va être détruite. Hein. Pas, voilà, canon principal détruit, détruit avec ce bâtiment. Moteur détruit, canon anti-char se reflant normalement. Non, il était repris, canon anti-char, d'accord, il n'est plus. Donc, la DCA va faire le boulot. Voilà, ma DCA a fini les deux tanks là. Mon tank là a survécu. Le fait que j'ai reculé, en fait, le fait que l'attaque là ait dû s'arrêter et que j'ai pu reculer facilement mon tank ici, l'a sauvé. Ici, bon, l'attaque n'est jamais finie, donc là, mes obus au Dayton commencent à montrer la terrible épingle du jeu, même s'ils ne sont pas d'élite, et c'est ce qui fait qu'ils sont inférieurs à ces unités-là. Mes troupes tiennent bon, mes troupes tiennent largement la cadence. Ces troupes-là, bon, ils sont 4 étoiles. Voilà, hein, 4 étoiles. Hein. 4 étoiles, connaissance, précision augmentée. 5ème étoile, ils ont encore plus de chances de survivre. À gauche, bon, il y a l'autre qui commence un peu. Voilà. Il y a deux canons de char là-haut qui servent à rien. Il aurait pu les rapatrier au milieu qui prenaient un gros coup de main. Mais bon, ils prennent nos ressources à gauche. Là, je me dis, bon, je vais envoyer mes escouades de Burst of Dayton. Surtout que j'ai vu que c'était des mitrailleuses. Aucun souci. En anti-char, je crois qu'on est encore un peu léger là. Un nouveau centurion. Ça s'appelle comme ça, non c'est pas un centurion, c'est un centurion, non ah, je sais plus. Donc ici, bon, ils bombardent pas qu'un peu, donc je suis toujours obligé d'essayer de sauvegarder le peu que j'ai. Parfait, là, ils dégomment la GPC, ils ont dégommé avec Major. Là, je recycle ça pour éviter qu'il ne puisse récupérer. J'ai besoin de pétrole, j'ai pas besoin d'autre chose. Ça, non, c'est un Crusader Centaure. Voilà. Voilà, moi, j'ai envoyé mon. Voilà, un Tigre 1 qui est arrivé. Qui va largement faire pencher la balance en notre faveur. Pour l'instant, on a toujours pas repris l'initiative. Hein. Même si on tient bon et que vous voyez, on fait des dégâts, etc. Vous me voyez, on est toujours quand même sur la défensive actuellement. J'ai ma troisième escouade de Burst of Dayton qui est arrivée également.
Donc voilà. Là, moi, je m'en fiche, je me concentre quand même un peu dessus. Bah, en repliant, j'ai quand même. Bah, je m'arrêtais, je vais tirer encore un coup. J'ai eu la chance quand en repliant, j'ai pu le détruire. Qui fait qu'il passe avec 2 et que j'ai une meilleure vision. Enfin, j'ai une meilleure vision et surtout, j'ai un meilleur blindage. Surtout sur le flanc. Donc ça me permettra de faire ricocher plus de tirs sur les flancs. Ici, j'ai Obersoldaten qui tire. Comme toujours, on voit l'impact des Obersoldaten sur le champ de bataille. 14 kills déjà eu. 5 ici, 1 là. C'est une TA qui commence vraiment à avoir un rôle très décisif. Hein. Deux véhicules détruits. Ici, mes troupes là qui attaquent et qui mettent en l'air une mitrailleuse Viker. Ici, je m'attaque au mortier. Adversaire qui fait un énorme erreur de micro, parce que je suis en train d'aligner les mortiers un par un, surtout un 3 étoiles. Mes troupes ici qui devaient servir un tout petit peu de recos, pour ça qu'ils ont avancé. Donc j'ai arrêté. Ici, je vise en priorité cette mitrailleuse là. But, essayer de la démolir avant que je sois tué. Je ravance mon véhicule là pour dégommer ce véhicule là, mais il se replie. Ici, repli de ce véhicule là, pour éviter de se faire trop de dommages. Tentative de capture des munitions, j'en ai besoin. L'ennemi avance en force avec ça quoi ça déjà un Crowell et un Sherman. Je crois ma défense, honnêtement je crois fortement ma défense. Et avec la portée de tir que j'ai, je pense largement pouvoir dégommer ce véhicule là. Bon, manque de bug, j'ai raté le tir, mais je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Bon, je m'arrête quand même, je me dis, bon, on n'a pas de visuel. L'ennemi a mis un bombardement. Comment ça s'appelle? Voilà. Attaque YEL 2 sur la zone là. Je sais pas c'était quoi en fait en bonus. Tellement ça fait longtemps que j'ai pas joué au jeu. Donc je me dis dans le doute, tiens, ça peut être un truc de bombardement d'artillerie de zone. Dès que je mets une unité dedans, il va être attaqué. Donc je me dis dans le doute, on va rien mettre. Donc on reste là. Là, j'ai quand même mes ressources pour faire normalement soit un 4ème escouade de Burst of Dayton, soit. Pour Gloyak Tiger, ce qu'il faut quand même que j'anticipe pour passer à ce moment-là. Et de mémoire, c'était économie de ressources pour Yak Tiger, je crois, à ce moment-là. Bon, ici, malheureusement, il rate son tir. Voilà, j'ai les tirs qui rebondissent dessus. Mais, je sais. Vu que j'ai vu que les tirs ont rebondi, je me suis dit. Là maintenant on le replie, on évite de le perdre. Voilà, j'ai dégommé l'adversaire. Vatu m'a appelé un Yak Tiger pour me soutenir au milieu. Et là vous vous dites, la vache, j'ai plus de points de commandement. Pour moi j'ai l'impression d'avoir une situation plus désastreuse et de tenir toujours au miracle, hein. Mais en fait je tiens bon parce que le peu d'unités que j'arrive à les sauver. Même si j'ai eu un début de partie catastrophique, je jouais très mal. Le peu de troupes que j'ai, qu'on va se rechercher de bataille, c'est des troupes qui se battent depuis un petit moment. Par exemple, on voit celle-ci, 22 kills, 5 étoiles. Celle-ci toute neuve, j'ai 6 kills. On voit 7 kills maintenant, voilà. Bateau 8 kills, voilà. 8 kills, allez hop. On va sur celle-ci, 7 kills. On va sur celui-ci. Bah, celui-ci, allez hop. 3 étoiles, ça sonne tout seul, 23 kills. J'ai vraiment. Un nombre d'unités, moi, qui se compte sur le doigt d'une main, j'ai vraiment rien en troupe. Mais j'ai par exemple un chasseur de chars qui a dégommé 3 véhicules. Qui, le peu que j'ai, c'est vraiment des unités qui se battent avec acharnement et qui. Voilà, j'ai sauvegarde quoi. De leur côté, vous voyez, lui, il a quasiment tout perdu, il a quasiment plus rien. Lui, bah, il a plus rien du tout. Là, lui, il a quelques unités de vétérans, mais il surfe. Bah, il va sûrement perdre une unité de vétéran, voilà, il en a perdu une. Et lui, bon, bah, il joue énormément, voilà, il y a trop de troupes là-haut. Voilà, le russe, il y a tellement de troupes là-haut qu'il a pas assez de troupes au centre et que ça pose un problème. Hein, soit. Et bon, moi, quoi qu'il en soit, là, je suis dans une situation moi qui m'est très favorable. Enfin, nous sommes dans une situation qui nous est favorable. On a beau avoir subi des pertes en grand nombre. On a des troupes, on combat, mes troupes, voilà, une mitrailleuse à 3 étoiles en moins, mes Obersoldaten font le travail et sont là, voilà, 33 kills.
On a suffisamment de troupes en défense, mais les troupes que j'ai, voilà, c'est. Là, je me dis, bon, tant qu'ici, hop, on se cache là, ça, je capture l'étoile. Ici, vu qu'on avance sur le flanc droit, donc il faut faire en sorte que nos troupes défendent par le flanc droit. Troisième étoile, j'augmente la cadence de tir et la mobilité de mon véhicule. Allez, hop. Là, je me dis, le Sherman là va pas m'échapper. Je vois quand même un Jackson en haut. Le Sherman est détruit, gros coup de chance. Maintenant, le Jackson en priorité. Le problème, c'est que vu que je vois quasi une TA, je me dis, mon anti-chape me faire péter le moteur, plus toutes ces troupes-là. Non, on prend pas le risque, on replie l'unité. Les squads là-haut, je la sacrifie. Je la sacrifie, je sais qu'elle va mourir et j'ai pas besoin de la replier. Ici, avec l'aide de ce char-là et mon chasseur de char, en gros, grâce au Panzer 4 plus celui-là, j'explose encore un Jackson, je replie mon escouade de Verstappen là pour pas la perdre. Ce qui fait qu'il est 4 étoiles, 1 115 de tir et pression de canon principal. Ici, ils ont un Firefly. Grosse erreur de Firefly à croire qu'il peut attaquer un Yak Tiger tout seul sans soutien. Mes escouades au milieu et mes Orbas Soudaton, j'ai deux escouades qui sont en train de faire le travail. Mon Yak Tiger qui arrive en soutien en plus. Troupes là, mes troupes sous bombardement d'artillerie, cette troupe là se replie. Celle-ci survit de justesse, j'aurais pu la perdre, mais j'ai un coup de bol, elle survit. Vu toutes les pertes que j'ai eues, donc maintenant je la replie. Ce qui fait que les peu de troupes que j'ai, voilà, 36 kills, 4 étoiles, ajout de suppression à ces tirs, 2 étoiles, 14 kills. Celle-ci, c'est mon unité de mécano, donc on s'en fiche du combat. 11 kills, allez hop. Yak Tiger, 1 kill déjà, unité d'infanterie. Yak Panzer 4, 6 kills, une infanterie, un bâtiment, c'était le Beaufort, et 4 véhicules. Un Jackson, un Sherman, un Crowell, et je sais plus c'est quoi la dernière unité qu'il a dégommé. Peut-être un petit véhicule léger, c'est possible. Quoi qu'il en soit, les ennemis sont à poil de ressources. On regarde là, on va regarder un peu. Il n'y a que lui qui a des ressources. Mais pourquoi il n'utilise pas en essence pour avoir des Jackson, tout ça, je ne sais pas. Pas absolument effectif probablement. Et lui, bon ben, le joueur là, ça serait bien que tu délocalises ces troupes là. Au nord, ça a taille d'attaque depuis le début de la partie. Ça serait bien que tu foutes tout au milieu là où on est en train de percer. Mais non, je préfère me replier. Et il y a un IS-2. De IS-2 qui a le go du Panther. Là-haut. Étonnant. On véhicule là de l'Italie, on s'en fiche hein, s'il y a. Je sais qu'il y a moins de ressources à partir, c'est impressionnant. Pas de parmi mes alliés. Enfin, il y a l'IA qui fait. Mais en tout par minute, je parle. Et regardez l'essence que je gagne. Comment l'IA peut gagner plus d'essence que nous en fait? Vous voyez le bonus qu'a l'IA, 44 ou 35. Vous êtes plus 9 en essence. Bah, regardez, eux ils ont des ressources, ils ont des réserves. Moi, je suis à poil en ressources. Même en munitions, c'est light. Ici, bon, bah, escouade de Burst of Dalton contre le reste, bon, on va pas faire photo. Hein. Et on sait totalement que là, j'ai fait ça pour me protéger des avions. Donc c'est vraiment purement anti-avion. Ici, je vois que j'ai réussi à l'exploser avec ces mitreuses là. Là, bon. Il y a un IS-2 en repli. Mes troupes là sont aussi en repli. Je dis à Vateux, fais gaffe, j'ai dû replier mes troupes. Mais j'envoie comme une TA pour dégommer cette palissade là pour la suite. Les Orbes sur Dayton avec les grenadiers ici ont fait largement le travail. Hein. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de voir la grenade. Et maintenant, 5 étoiles. On se dépasse plus vite, on fait plus de dégâts. Ascribe your return. Ça, j'avoue, le russe est l'un des plus mauvais joueurs en face. Et ça se voit. On regardera en fin de partie le level de chacun des joueurs pour qu'on puisse comparer un peu. En sachant que nous, on avait une IA qui. Même si bah, l'IA n'est pas toujours chiante, tout ça, mais elle sert à quand même un gros malus avec vous. Elle gaspille ses troupes inutilement et autres. Hein. L'IA, regardez son taux d'income par rapport à moi, l'IA. Par rapport à n'importe qui d'entre nous, ils ont 100 points d'effectif de plus.
Voilà, là on dit y'a que Tiger, ouais hop, on expose tout ça. Ah lui il tire dedans, moi j'ai. Moi j'étais comme ma carcasse, on se dit punaise, ils font n'importe quoi, nu avec Tiger. Et voilà, nous on a repris le contrôle du middle en envoyé une promenade de regard 2 minutes. Ils ont un IS2, ils sont deux Jackson. S'ils jouent bien, ils peuvent nous rayer de la carte. S'ils arrivent à encercler nos troupes, et là on demande est-ce que vous pouvez quitter. Hein. Là nous on a vu l'IS2 au nord, on se dit on va pas réfléchir deux fois. IS2 sans moteur contre deux Jagdtiger. Tire sur position. Sauf que moi j'avais tiré sur position, je me suis dit non. Les Jackson en priorité. Merci pour la vision. Double tir de Jackson. Allez hop, un en moins. Allez hop, direct. Ici SU-85 qui m'attaque. Un tir, allez hop, midlife. Mon Yak Tiger qui passe avec un canon d'appui. Ici, artillerie lourde sur cette position. Et l'ennemi capitule. En soi, l'ennemi n'avait pas moyen de revenir. On avait trop de choses. On peut regarder sur ce. Même pas besoin de regarder l'IA. Ici, on a un tigre. Et énormément de troupes d'infanterie. Ici, on a pas mal de troupes d'infanterie. On a un Suka sur pied et un Yak Tiger. Donc, carrément de quoi faire. Et de mon côté, 3 escouades de Burst of Latin, une 5 étoiles, ce qui est énorme. Les 2 escouades, 2 étoiles, donc ce qui peut vraiment faire au café. Plus. Un Yak Tiger plus un chasseur de chars standard et à plus ça, bon ça c'est un petit canon d'appoint en plus. En face on a ce joueur là qui a plus que 3 escouades. Un petit centaure et 2 escouades anti-chars. Ici on a un lieutenant, un major, 2 escouades de parachutistes et un mécano qui répare le véhicule. Le joueur là il a un IS-2 en réparation, un SU-85 bien amoché, 2 canons anti-chars qui servent toujours à rien. Voilà, on avance. Voilà, qui servent vraiment à rien. Voilà, il doit être content l'adversaire hein, là-haut. Et on prend le joueur là, un capitaine, un major presque mort, un lieutenant et toutes ses troupes en déroute. Autant dire que c'était une victoire de notre part sur les adversaires. Victoire qui, compte tenu du fait que ça fait pas un moment que j'ai pas joué. Moi je trouve que c'était une victoire assez difficile parce que ça faisait un moment que j'avais pas joué, mais apparemment ce que mes coéquipiers m'ont dit que j'avais très bien joué. Je trouve pas, j'ai fait beaucoup d'erreurs en début de partie, j'ai perdu 2-3 escouades que j'aurais jamais dû perdre. Même si après avec le peu de troupes que j'avais, j'ai réussi à être vraiment quelqu'un de très prudent. Bon, Yak Panzer 4, 15 000 points de dégâts, on en parle pas hein. 6 étoiles, vous ont dit 5 étoiles, Exterminateur et Borsal Daton 89 victimes. Yak Panzer 4, oui, il a fait le café, hein, vu le temps qu'il a survécu. Et là, grosse surprise de ma part, quand je finis la partie, je vois dégâts infligés premier. Je croyais pas, mais le fait que. Mais mes coéquipiers ont raison sur un point, sur cette partie. Et j'avais quasiment rien, j'étais à poil, j'avais venir avec moi. J'étais contre deux adversaires, même si les Russes ça montrait que de temps en temps, t'es quand même contre deux adversaires, voire même parfois trois, parce que l'Américain et l'Anglais s'amusaient aussi parfois à m'attaquer. C'est ça que j'ai jamais trop vu, quand même, l'Orange. Mais quoi qu'il en soit, ces trois joueurs-là, je les ai vus. Hein. Quoi qu'il en soit, j'ai bien tenu, et in fine, le peu d'unité que j'ai eu, les dégâts que j'ai fait, ont prouvé que j'ai bien joué. Et là, quand on regarde les stats, on enlève l'IA, parce qu'on s'en fiche de son niveau. Un level sur chaque côté, on va dire 2 levels 3 étoiles, très bien. Mais le plus mauvais joueur d'en face, c'est le level 3 étoiles. Donc, soit il sait pas jouer russe, ce qui est d'une part une possibilité, soit il sait pas jouer du tout. Sans vouloir être méchant, ce joueur-là ne sait pas jouer. Il n'a pas montré de bon niveau de jeu, il n'a pas montré une bonne microle. C'est un joueur, j'ai envie de dire, normal. Bon, sans vouloir être péjoratif, hein, c'est un joueur normal. Vos grenadiers, 3 escouades de perdus. Voilà, 5 escouades perdues dans ce rocket qui a servi à rien au final dans la partie. Mais qui aurait pu être utile. Hein,
Il aurait pu être utile, donc il devait faire quand même que pas le faire du tout. Storm Pioneer ont quand même été efficaces, ils ont rentabilisé leur coût. Ces escouades-là, bon, ils ont fait vraiment leur travail, un peu ce que nécessaire. Et au final, 20 000 points de dégâts avec mes véhicules anti-char. Et une petite vue d'ensemble, hein, les graphiques quand même. Fait d'armée, on va comparer avec tout le monde. Enfin, on va déjà comparer avec l'IA début de partie, vu que j'ai moins de points effectifs, c'est logique, mais on voit que généralement je suis toujours au-dessus. Par rapport à Vateux, Vateux a l'avantage, bon, on a pro niveau, c'est qui c'est des. Ils s'en sortent mieux que moi sur le milieu. Moi je perds des escouades, j'ai perdu deux escouades donc j'ai beaucoup de problèmes d'effectifs. Il a peut-être avant moi Yak Tiger, mais au final, in fine, mes troupes sont. J'ai une valeur d'armée beaucoup plus forte, on va dire, en fin de partie, parce que j'ai une unité beaucoup plus chère dedans. Ici, vous voyez, bon, la Wehrmacht monte assez vite, normalement au niveau troupes. Puis après, bon, là, Tigre, perd du Tigre, appelle nouveau Tigre. Et voilà. Moi, en late game, voilà, c'est souvent ça, en late game, j'ai souvent une valeur d'armée énorme. Et voilà, c'est mon souci, c'est qu'il faut attendre le late game. Le rouge, étonnamment, à peu près la même force que moi. Il surprend mon graphique. L'anglais, savoir être méchant, qui apprend à jouer anglais. Voilà. C'est pas en faisant deux défenses hein, qu'on gagne une partie. Hein. C'est pas en faisant un mortier et en faisant un Beaufort qu'on gagne une partie avec les Anglais. Non, non, non. Le gars a fait un centaure, c'est très bien, mais tu fais pas 300 centaures dans la game. Tu fais pas 300 centaures, je suis désolé. Tu en fais un à la rigueur, deux c'est le moment où t'en as besoin. Mais quand ennemi, tu vois, quand ça bourre en char, c'est pas des centaures qu'il te faut, c'est des unités d'infanterie pour contrer l'infanterie adverse, des mitrailleuses et. Surtout, il te faut des anti-chars, des Firefly, mais voilà. Donc, lui, il savait pas jouer, qu'on soit honnête. Le joueur là, bon, à chaque fois, là, on voit à chaque fois les frappes de Souka sur pied. Souka sur pied, retourne à la base. 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 Souka sur pied, retourne. Le joueur là. C'est pour dire, on est dans une situation désastreuse, on a une valeur d'armée qui nous sommes à peu près constants, voire croissants. Voilà. Pour moi, c'est pas une surprise qu'on ait gagné. Niveau ressources, par contre, ressources en réserve, l'IA ne compte pas, bien évidemment. Voilà. Voilà. Mes alliés ont globalement toujours plus de ressources que moi. Et on compare à nos adversaires. Le rouge a quasiment en permanence plus de ressources que moi. Celui-ci a généralement plus de ressources que moi, excepté à la fin où il doit dépenser beaucoup pour constituer ses forces. Lui, il a à peu près toujours plus de ressources que moi. Et lui a toujours plus de ressources que nous. A beaucoup trop de ressources ici, ici, ici. Quoique, à moins qu'il prévoyait il devait prévoir les véhicules, donc non. Quoi qu'il en soit, il y a un gros problème. C'est ce pic-là. Alors qu'il y a déjà toutes ces ressources-là avant, pourquoi il arrive ici? Peut-être qu'il peut avoir cliqué ce jeu ici, c'est une possibilité. Il faudrait que je regarde de nouveau le replay. Mais voilà, les adversaires ont plus de ressources que nous, c'est ça qui va leur faire perdre. C'est que normalement, pour gagner, quand t'as plus de... il faut avoir plus de ressources, en premier lieu, c'est vrai. Mais en plus d'avoir plus de ressources, il faut l'utiliser. Moi, je suis toujours. J'ai jamais regardé des pâquerettes niveau point effectif, tout ça, ou quand je monte en ressources, vous voyez, c'est pour débloquer une unité précise, par exemple, c'est pour faire un Obersoldaten, c'est pour faire un Yak Tiger, c'est pour faire. Voilà, j'ai vraiment un objectif. Les adversaires, ils ont des ressources pour des ressources, c'est ça qui pose problème. Et c'est là où on voit une grande différence de niveau entre les joueurs, c'est les joueurs qui ont des ressources pour des ressources, les joueurs qui ont des ressources pour des plans prévus, qui construisent des troupes pour des troupes. Et les joueurs qui consomment beaucoup de ressources et qui ont en même temps en apparence un flux tendu, ça veut dire ils gagnent des ressources, mais généralement ils ont toujours un petit stock pour récupérer des pertes, mais après sinon ils sont obligés de stocker des troupes, stocker des ressources pour fabriquer des unités. Et moi je suis souvent dans cette partie-là, c'est que j'ai peu de ressources et je stocke énormément et je dois vraiment beaucoup me battre pour préserver chacun de mes hommes, chacun de mes troupes, chacun de mes ressources. Voilà. Donc petit replay, j'espère que vous avez apprécié, ça faisait longtemps que je vous ai pas montré de replay sur Company of Heroes 2. Je vous dis à une prochaine fois d'ici à portez-vous bien et à ciao tout le monde.